Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Bienvenue sur l'épisode 3 de Resident Evil Village. Oh yeah! Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Bon, on était dans le château Dimitrescu. Regarde un peu. Labyrinthe de Nordstein, artisan de la fin du 19e siècle. Nordstein, je fus qualifié d'hérétique, puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes. Le château de la maison de la colline, le moulin à eau, la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna à la mort, comme tout bon vivant. On a déjà venu ici. Et on s'excuse. On va coucher. On n'a rien pour décocheter là, c'est bien pour l'instant. Je pense qu'on trouve autre chose. Bon, ça a déjà fait ça. Ah mais je peux pas, ok, ouais, je peux pas sortir de là parce que... Donc ici, il faut revenir sur nos pas. Ok. Ok, je sais pas. Bon, là, ça s'ouvre pas. Il nous reste devant. On va aller devant. Je suis quand même curieux, qu'est-ce qu'il y a par là? Et... Viens y voir aussi. Okay. On va aller au hall, je vois qu'il y a une porte qui n'est pas ouverte. Les 3 psychopathes. Et là, à ce niveau-là, on peut pas sortir. Ici.
J'en sais rien. Ah merde, Miranda. C'est ça. Oh. La paix commence à m'avoir aidé d'avancer. J'avance pas. Qu'est-ce qu'il y a à explorer? S'il n'y a rien en haut, je ne sais plus trop quoi faire, je vais fourrer un peu. Porte là. Ah ben, j'ai déjà été là, on va explorer comme il faut. Vidico du château de Mistrieux, vraiment tout 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. De Mistrieux a combiné les techniques traditionnelles de procédés dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet d'épais. Son meilleur mélicisme, Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge, il est conservé dans la bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Faut mettre la bouteille là, j'imagine. Oh, faut trouver un endroit où il y a une bouteille de vin. Vraiment un endroit où il y a une bouteille de vin que je l'ai pas trouvé. Le riz. Verrieux de le côté, tabarnak. Quoi ça? Manque un œil, bah.
Il y a un objet qu'on n'a pas vu. Un œil. Ouais, ouvre-toi, toi. Faut voir qu'est-ce que lui vend aussi. Il vend peut-être des objets intéressants. Allons le voir, le gros. Ça va, ta Puis-je choisir quelque chose pour vous? J'ai de nouveaux articles pour vous, Monsieur Winters. Vous savez, c'est vraiment parce que c'est vous. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Oh! J'ai vu ça qu'il y a quelque chose. Là, je viens de comprendre. Il y a un autre endroit qui a une affaire comme ça. Je l'ai vu quelque part. Pas celui-là, c'est pas ici. Il y en a un autre.
Juste fouiller. Plus bas, selon moi. C'est à droite. C'est sûr qu'il y avait un œil quelque part. Pas que je fouille mieux. Oh. Sûr, j'en ai vu une à quelque part. J'ai vu quelque chose comme ça. Oh! Il y a un bureau là-dedans que j'ai pas vu.
est toute cassée, je trouve. Hein? Voilà. Ok, quelque chose. Je crois qu'il y a un œil quelque part. J'arrive de le lever, mais... Je regarde, ça n'est rien en tout.
Sûrement, c'est ça, je pense, que je viens de catcher. Exact! Mon cerveau vient de... Oh, Rémi. Classic Resident Evil. Bon. La jugulaire et regardez, capturer mort ou vie, tu préfères quoi? Je ne peux plus me retenir. Une fois empaillé, tu décoreras le monde. Juin 1958, c'était mon premier jour de travail au château. Aujourd'hui, j'ai été étonné. Constaté que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'est pour le moins étrange. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château. J'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et de mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes étaient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Le juillet 1958. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignent qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement, m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être amené au sous-sol et qu'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire.
Verre de sang séché. Aide-moi, mon frère. Il y en a Mirella, Lois Ingrid, Dora Greta, Nadine, Camélia, Ben Camélina, Juan Mila, Mila, Stéphane, Gabriela. Il a un appétit vorace, Miguel, un appétit vorace, Loïs.
n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Quel supplice préfères-tu ? Tu es au menu. C'est beau, innocence. Le sang d'un homme. Le sang est plus sucré quand on le fait jaillir d'une proie encore vivante. Petit coquin. Tes balles ne font rien du tout. Tabarnak. T'es jamais sûr si tu vas les attaquer ou pas les attaquer, esti. Ah, la bouteille de vin avec les fleurs. Les doigts. Finalement, le crocheté.
Quand même à l'extérieur. On va accrocher en bas à droite. Là, je suis crush. Pareil, il est brisé. La porte d'en haut qui était verrouillée. Je te fais visiter.
Tu as fait à ma fille! Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettant à leur seigneur le fruit de leur dur labeur, le vin puisse couler.
Exactement. Donc les hommes remettent à leur seigneur et les femmes ne regardent pas les paysans. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Oh non! Elle allait direct, sinon tu peux plus aller à ton... J'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Au diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait! Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai la nausée rien qu'en pensant qu'à cette réunion de famille, j'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout à Zemberg. Chacun ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi m'être-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château, des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Pourquoi pas? J'ai besoin d'un verre. Ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous... Ah ! Espèce de misérable créature ingrate ! Tu t'invites chez moi ! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... filles ! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient ! Comment oses-tu ? Profite de cet instant de répit ! Parce que je vais te traquer et je vais te détruire! C'est ça, et c'est toujours.
Niaise. Comme si j'allais te laisser filer. Ah, tu finiras en morceaux. Avant d'avoir pu revoir cet enfant. Je vais t'apprendre à insulter la famille. Ne te mènera nulle part. Ah, barnaque. Moi, c'est impossible, mais on sait jamais. Où je lève de madame a disparu. Si quelqu'un le retrouve, promets-tu de le remettre dans sa salle de bain. Premier jour après le traitement. Les trois filles ont cessé de bouger, elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aînée, ça semble être une mouche commune. Deuxième jour après le traitement. Les trois corps sont couverts de mouches qui dévorent leur chair. J'ai ouvert une fenêtre, certaines d'entre elles sont tombées au sol, tant que le froid les pétrifie. J'ai vite fermé les fenêtres pour éviter d'affaiblir davantage les insectes. Troisième jour après le traitement. Les trois corps ont été presque entièrement dévorés par les insectes. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes désignant vagues des silhouettes humaines. Il est midi passé et les insectes ont commencé à changer de couleur. Ceux qui recouvrent le visage sont devenus blancs. Ceux qui sont situés au niveau des lèvres ont viré rouge. Deuxième jour après le traitement.
Les masses d'insectes se sont à nouveau déplacées et ont redonné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se sont réveillées et m'ont regardé comme des nouveau-nés découvrant leur mère. Je ressens une sorte d'attachement pour elles. Déjà choisi leur prénom, Bella, Daniela et Cassandra. Non, si on se fait qu'aucun. Taille 5 mètres, 5 et 6 cm. Leur structure corporelle ressemble à celle des mouches vivantes, mais c'est avec des différences au niveau de la tête. Ils sont herbivores et extrêmement voraces. Lorsqu'ils chassent, ils émettent une phéromone d'agrégation qui leur sert de regrouper pour prendre leur proie. Incapables de se reproduire, ces insectes naissent que le cadou. Des œufs dans le sang autre. Ils sont sensibles aux changements brusques. Les températures, en particulièrement lorsque le thermomètre descend sous la barre des 10 degrés. Leur métabolisme s'arrête et ils entrent dans un état staste. S'apparente à la cryptobiose que l'on observe chez les tardigrades ou le polypédium vers Der Plinky.
voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Ah oui, c'était super fun. Un signe de rose. Oh, vous m'envoyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. À votre service. Les temps sont durs, Ethan. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Votre argent. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. J'ai... hâte de voir les fruits de votre... exploration. Ah. Ok, je comprends. Ah oui. À votre service. Tu veux voir ça? Ah ah. Déjà là. Bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi. Tu as le droit de t'exprimer comme tu veux, mon cher ami. C'était tout. Aventure du caribou canadien live sur la chaîne. Le jeu Resident Evil 8 Village. Oh yeah!